En 1972, quelle nation africaine a ordonné l'expulsion de sa minorité d'origine sud-asiatique dans les 90 jours? Le 4 août 1972, la population asiatique ougandaise de plus de 80 000 habitants reçoit l'ordre de quitter l'Ouganda par son président oppressif Idi Amin, qui les accuse de sabotage économique et d'échec à s'intégrer socialement. Le Canada est l'un des premiers pays à ouvrir ses frontières aux réfugiés. Au cours de la première vague, 31 avions affrétés, transportant plus de 4 000 réfugiés, pour la plupart indiens, quitte l'Ouganda pour le Canada. Il s'agit de la première grande réinstallation d'après-guerre de réfugiés non-européens au Canada. Et son succès influence grandement la future politique du Canada à l'égard des réfugiés.